Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur Farming Simulator 19, désolé, sur notre série Partir de Zéro. Aujourd'hui c'est épisode 17, désolé pour le son du train, merci de passer. Donc aujourd'hui on fait la moisson de colza, de ce champ qu'on a acheté. Je vais voir une chose, est-ce que le son est à 20, on va voir. Voilà. Donc on sera en vue intérieure et j'ai mis, donc si vous avez vu l'épisode 2 de la petite entreprise forestière, tout en bas à droite, j'ai mis le truc du gearbox, en fait c'est le truc add-on je crois. Et donc vous avez qui concerne les caméras, la boîte de vitesse comme vous la voulez, en IVT qui ça veut dire CVT. Ou après manuel comme moi, automatique, etc. Ou avec auto-clutch ou sans clutch. Donc ça veut dire avec l'embrayage ou sans la pédale d'embrayage, d'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moisson de colza. Donc voilà. Alors le problème... Attendez deux petites minutes. Hop là. Voilà, c'est pour voir... Voilà, j'ai acheté du coup, vous le verrez pas, mais je vous montrerai peut-être avant de se quitter. Donc là, on fait tout en vue intérieure. Hein. Maintenant, j'ai le manuel attaching, j'ai tout, l'auto-clutch, c'est cool. On a toujours notre en location notre classe parce que sur cette partie, je dois avoir encore l'ancien. Oui, parce que j'ai mis une nouvelle version. Non, je l'ai désactivé. On a mis une nouvelle version, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version, une V2.01. Et du coup, donc j'espère que ça vous plaira, un truc RP. On a tel les véhicules, l'autoclutch, le gearbox, etc. Là, je me suis mis en petite vitesse lente avec la moissonneuse en 9 km/h. Bon, c'est sa vitesse, voilà. Je crois que je peux. Ouais, après, elle passe à 10. Donc voilà. Aussi, on peut caler, même si vous êtes en clavier, on peut caler dans ce jeu. Donc voilà, donc là on a combien est-ce qu'on peut regarder un truc Ouais, on est à 4 tonnes. 4 tonnes de colza. J'ai pas fait exprès. Qu'on refasse encore du colza, je sais plus. Non, on avait fait de l'orge. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite série continuera. Vous plaira parce que ce sera la seule série qui va rester jusqu'à la nouvelle version de Farming. Donc voilà. Donc le tracteur est là-bas, on le voit pas parce qu'il y a l'angle de la moissonneuse. Voilà. J'ai voulu essayer de passer ici, mais le problème c'est la barre de coupe est trop grande. Donc le voilà. Donc la barre de coupe est trop grande. Donc voilà. Il y en avait qui me demandaient pour un live. Le problème, c'est ça dépend de ma connexion. Ah, mais il y a encore un arbre. Je crois que je vais le dégager lui. Peut-être. Donc vous verrez, hein, il y aura plein de choses qu'on fera dans la vidéo. Désolé des petits coups de like parce que je viens d'arriver sur la partie. J'ai juste préparé 2-3 trucs. Alors ça, c'est l'arbre. Voilà. C'est cool, j'ai l'inverseur, vous entendez mon clavier. Mais j'aime bien me faire tout au clavier sur Farming. Ouais, donc là, je suis en vue intérieure. Hein. Moi, au début, je disais, ouais, la vue intérieure, moissonné et tout. Bon, c'est vrai que là, vous voyez que je me prends tout ma barre de coupe. Bah, si je me mets extérieur. Bon, là, j'ai calé, vous voyez. Mais si je me mets extérieur, j'ai même pas tout pris. Hein. J'ai pris presque plus de 3 quarts.
Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait le champ derrière nous, que vous avez vu, c'était de l'avoine. Je pense qu'on fera de l'avoine. Donc j'ai choisi donc le terrain, le plus grand terrain qui coûte 100 000 euros. Voilà. Et il y aura un deuxième endroit où, parce que moi je joue sur cette partie en solo, sur ma partie perso, et c'est cool de cool. Ah oui, mais je vais te plaindre. Ah non, toi, elle fait combien? Elle fait pas 10 500, hein. On va reculer, hein. Voilà, je suis obligé de me mettre en vue extérieure pour reculer, mais il y a des... Voilà, moi j'aime bien rouler en vue intérieure. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que la moissonneuse, dans l'épide, dans... pas aujourd'hui, ça dépendra, mais plus tard, j'ai envie de changer cette moissonneuse avec la barre de couvre contre une autre moissonneuse qui nous coûtera moins cher. Hop, oh. Voilà, désolé. Et voilà. Donc, coûtera moins cher. Okay. Bon, en achat, elle coûtera moins cher, mais... Voilà. Donc voilà. Donc là, je l'ai pas mis sur la partie la nouvelle version de ce Renault. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai vu juste de télécharger, mais il y a quelques heures. Hein, et sauf que comme j'ai tourné, problème de vue intérieure, c'est qu'on voit pas si. Si on est bien au-dessus de la benne. Voilà. Bon, on peut éteindre. Voilà. Ah. On verra bien si on est bien au-dessus de. Bon, moi, on aura fait un petit détourage et puis en off, je vais finir le champ. Elle fait combien la Mopu qu'on a acheté dans le garage? La Mopu, elle fait 24 tonnes. Ouais, bon, je ferai plus de 3 trémies. Hein. Aussi, le télesco, lui, va partir. Donc là, il y aura la moissonneuse avec sa barre de coupe, le télesco. Et je pense qu'il y aura d'autres trucs à investir, mais il faut que je trouve certains modes et que je les mette dans mon jeu et que je les active. Voilà. Alors, parce que en fait, pour vous dire, j'ai en fait comme de base, parce que pour vous expliquer, je me suis dit, mais où est l'écran, etc. J'ai la... Ah putain. Je l'ai pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que normalement, comme j'ai remis l'affichage du jeu, j'ai pas le... Comment ça s'appelle? Là, parce que là, il n'y a pas l'affichage sur le tableau de bord, combien de tonnes il y a dans la trémie. Alors que sur la genière de base, donc la 500, donc celle que j'ai sur ma partie à moi. Il y a le truc, donc je peux enlever le HUD, le HUD. Ah oui, ben vous voyez, hein, des fois vous croyez y passer, et des fois vous avez peur d'en perdre, de manquer de couper du colza. Hein. Ça arrive hein, d'oublier des fois, mais je vois qu'on a quand même pas mal de trucs. Voilà, donc voilà. Donc ça sera un petit champ. On verra. Alors du coup j'ai dû emprunter un peu plus parce que j'ai dû acheter le terrain. J'ai dû juste acheter le terrain.
Et là, on va vendre le colza. Hein. Le colza, je sais pas combien il rapporte. Et il y aura aussi le. Il y aura aussi le. Que là, on n'a rien, il n'y en a pas de silo ni rien, on n'a pas de bâtiment. Mais je pense que je vais aussi donc acheter un autre endroit de la map pour parce qu'en fait je crois que je vais séparer les deux fermes d'élevage et céréalière. Donc voilà, dans cet épisode vous verrez tout. Et ce qu'on va faire, comme j'ai fait le détourage, voilà, je vais me mettre bien comme il faut avec la moissonneuse. Voilà. Donc voilà. Donc un petit épisode tranquille. Désolé que l'autre il soit encore plus court. Hein. On m'avait appelé pour manger. Hein. J'aurais pu finir, oui. Donc voilà. Donc j'oublie pas de remettre le nouveau trait. Bah, le nouveau. Le ARES que j'ai téléchargé. Dans le dossier, il faut que je regarde celui-là. Parce qu'il est encore dans mon jeu. Donc celui que j'ai téléchargé, je le mets dans mon jeu, l'activer aussi. Parce que là j'ai. Je crois que je l'ai désactivé, je sais plus. Parce que pour l'instant, tant qu'on l'a pas. Excusez-moi. Tant qu'on l'a pas dans la partie, et ben on pourra pas. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi des beaux modes. Hein. J'ai aussi le trouver. Pour ceux qui ont vu, il y avait un 1455 qui était sorti. Et là, il y en a un autre qui était super joli. Le 7810, moi, je l'ai. J'ai téléchargé la nouvelle version, j'ai enlevé l'ancienne version. Voilà, donc c'est pour ça que sur l'épisode 2, j'ai dû racheter ce tracteur. Bon, c'est pas grave, on avait beaucoup d'argent, donc c'est pas la peine. J'avais peur qu'il fasse un petit peu trop cher, 100 000 euros ou un truc comme ça, mais il était 60 000, un truc comme ça. Donc voilà. Ah bah le tracteur lui va me gêner. Voilà. Donc je verrai. Parce qu'il y a des trucs que je vais peut-être acheter. C'est le champ du voisin, hein, vous inquiétez pas si je marche dessus. Mais heureusement qu'il y avait une deuxième entrée, hein, sinon s'il n'y avait qu'une seule entrée. Et en même temps, je vais vider ma benne. Et on va se laisser là-dessus. Donc, Bradley. Voilà, c'est des fois c'est pour voir si on peut passer ou pas. Voilà, bon, j'ai pas mis la vitesse là. Hop, faire ça et on va éteindre. Donc voilà. Ouf. Donc ça fait beaucoup de bruit hein, les gens. Ah bah. Mon jeu qui veut se sauvegarder. Donc, ah, ça va beaucoup mieux, j'ai baissé le son. Donc, sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. Moi, je vais finir le champ en off. La prochaine fois, je sais pas s'il y a du décompactage à faire, de la chaux à faire, des trucs comme ça à faire. Faut que je regarde, mais il faut qu'il y ait quelques modes, faut que je rajoute, mais il faut que je les cherche. C'est le plus compliqué. Donc voilà, donc il me reste ça à faire, vendre le colza, je sais pas combien il est pris, désolé. Voilà, donc le prix du colza, on est là, il est en baisse, ouais, là il est en hausse, c'est ce prix-là, donc MGE, MGE, est-ce qu'il est long ou pas? Non, la vente de laine est là. La MGE,
Là, il y a la Syrie, la MGE, elle doit être au nord. La MGE, elle est là-bas. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de route à faire. Voilà. Donc, il y a ce terrain que j'ai acheté. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vais continuer en off. Je vais vous montrer. Donc, le voilà, le terrain. Voilà. Voilà. Donc, là, il y a un trou. Il y a un trou dedans, mais il n'y a rien là-dedans. Bon, il y a de l'eau, mais je passerai un petit coup. Merci le téléphone qui, voilà. Bon, il y a pas, personne m'appelle, mais voilà, il est branché, et puis d'un coup, ça y est. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, ben, moi, je vais finir le champ off. Je verrai ce qu'il y a. Ben, attendez, on va voir ce qu'il y a à faire. Ah, désolé. Je sais même pas si vous allez voir la capture de mon Windows Phone. Voilà. Il y a du labour à faire. Est-ce qu'il y a de la chaux à faire? Non. Il n'y a pas de chaux à faire, désolé pour les bruits. Donc il y aura du décompactage à faire sur ce champ. Voilà. Qu'on fera une prochaine fois. Donc c'est un petit champ, hein, mais moi j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé faire l'autre. Donc je pense que quand on aura plus d'argent, donc il y aura la moissonneuse à changer. Qu'on rachètera le tracteur, donc faut que je mette la nouvelle version. Et qu'on change le télescope et qu'on ramène pour le secteur d'ici, donc le secteur que je vais montrer que j'ai acheté, donc la zone, ramener tout ce qui est véhicule valet de ferme. Serralière, je les en amènerai ici aussi. Mais peut-être que d'ici là, je vais peut-être m'acheter un autre terrain. Une autre parcelle, un truc comme ça, mais d'ici là, voilà, c'est un petit peu le bronze. Et peut-être qu'on mettra le mode aide gouvernementale. Voilà, on verra bien ici. Voilà, donc sur ce, voici c'est pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker ou à disliker, n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description, n'hésitez pas à commenter ou à disliker. Ouais, vous abonner, c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à partager comme j'ai dit. Et nous sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo. La prochaine fois pour cette série, ça sera du décompactage. On verra. Faut que je regarde ce que j'ai en machine déjà acheté et on ressemera peut-être une autre culture, voire peut-être acheter un autre champ, peut-être à moissonner. On verra tout ça. On verra petit à petit l'avancement de la partie. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera bah, encore du. Ça sera encore du. Sera encore du partir de zéro. Donc voilà. Donc moi je vous laisse pour cette vidéo, donc merci d'avoir suivi et je vous dis bye bye.